Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons le royaume des Odris. Le grand et puissant royaume des Odris. En vrai, un beau royaume des Odris. Ah oui, on s'entend très mal avec les Eravistes, les Arvernes et le royaume de Tilis. Pardon, les Séleucides, ils sont faits. Oh, les Séleucides, c'est dur pour eux là. Ah ouais. Je vais envoyer mes troupes pour piller Ankira. Ça rapportera toujours ça d'argent. Moi. Bah ouais. Alors. On va. Voilà. Promouvoir un petit peu nos personnages. Ah. Un autre adulte. Tilesipta. Ça me va totalement. Attention quand même à ce que la loyauté reste positive. Une forte probabilité pour qu'on s'entende pas bien avec la Confédération germanique. Je crois que c'est pour ça que je recrutais des troupes dans la province de Pannonia. Et on va voir, accord commercial, je te l'offre. Oh, mais je te l'offre. Ah oui, c'est parce que je viens de prendre Petrodava. Oh, il est tombé dans mon embuscade. Oh, qu'est-ce que c'est ballot. Il a la même idée que moi. Et j'avais déjà pris part dans ces montagnes. Quelques esclaves. Ça mange pas de pain. Alliance défensive. Après. En vrai, j'ai pas vraiment envie d'aller là-bas. Hein. Donc, je vais mettre oui pour ça. Hop, alors, maîtresse du commerce, impeccable, champion, espion, ok. Donc on va s'avancer, direction Ankira, petit pillage. Je vais pas faire plus. Je vais pas libérer parce que ce serait les... la Galatie. Et nous ne sommes pas frères de sang. Et je veux pas occuper non plus. Tu me diras. Été un gros problème. Non, pour l'instant, on va laisser comme ça. Hop, alors, je vais recruter des troupes. Je crois que je peux recruter de la cavalerie, ça y est, maintenant. Oui. Très, très bien. C'est que ça coûte cher. Hein. Mais bon. Il le faut. C'est une dépense nécessaire. J'ai encore suffisamment d'argent. Largement suffisamment d'or et d'argent. Les Eravis. Ok. Ouais. C'est ça qui sent le patavium. Et je bon, de toute façon, à chaque fois que je prévois un truc, ça se passe pas comme prévu, donc je pars sur le principe que je veux faire ce que je vais vous dire, mais que ça changera. Non.
Non, eux, c'est trop le bordel, le bazar, pour parler poliment. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Est-ce que je peux expliquer ce que je vais faire aux personnes qui regardent la vidéo? Merci. Je vais laisser des grosses troupes au niveau de Yadé, Segestika et Akink. Séleucide, ok. Et je vais commencer la conquête au niveau sur la Confédération germanique via Galice. Je vais faire la défense de Budorgis dans un premier temps. Ouais, bon, c'est ce qu'il veut faire aussi lui. Et je vais monter tranquillement sur mon Régius, Ascocalis, et après hop, faire une ligne verticale qui partira chez nos voisins. Alors je voulais en profiter, est-ce que par pur hasard, yes, nous avons formé la Confédération d'Asio Thrace. Voilà, impeccable. Voilà, donc j'ai récupéré l'ensemble de la Dacia. Bon, je fais plus de commerce avec eux, hélas, mais bon. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ok. Il devait avoir des petites armées qui se baladaient. Non, même pas plus que ça. Alors, il devait en avoir. Mais le fait est que je n'ai plus de place de recrutement, donc ça n'a pas dû les garder. Hop, là, on va faire des raids. Le rebelle Galat. Parce que je suppose que là. Même pas. Oh, ça a même pas gardé les. Oh, c'est génial. Ça a même pas gardé les personnages. Des factions. C'est trop bien. Alors là, les gars, je suis. Je viens de découvrir un truc. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Enfin, je savais pas qu'en ayant full armée levée là, je peux pas d'accord, je peux pas en faire plus. Bon, là peut-être maintenant. Ou pas. Que ça allait pas les garder les autres. Oh, c'est génial. Il n'y a pas de flotte en plus. Ouais. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas de flotte. J'adore ce qui s'est passé. Franchement, je suis trop content. Ce que je vais faire, c'est que je vais relever encore des troupes ici. Pour changer. 5 tours. On a 8 tours de recrutement. Oui, oh. C'est sympa. Ah oui, alors. On va peut-être refaire un petit tour au niveau des provinces qui me rapportent, hein. Et l'Illyria me rapporte beaucoup. Oh la vache, oui, elle me rapporte vraiment beaucoup, l'Illyria. Là, c'est marrant, ça. Allez, hop. Voilà, pour le coup. On a dépensé un peu d'argent. On a dépensé en prévision. C'est pas très très. Les Icènes. Vas-y. Ça me fait découvrir un nombre de factions là en plus. Vu que ça va faire tout. Ça va passer par la Méditerranée et ça va faire tout le tour de la côte atlantique. Je vais avoir découvert un nombre de factions. On va rigoler un coup. Hein. Développement un peu de civil, ça va faire du bien peut-être. Pardon? Aucun? Comment ça? Vraiment? Mais ils sont où? Ils ont un autre territoire que je vois pas? Bon. Eh ben, je sais pas par où elle passe la route commerciale. C'est. Alors voyons voir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme techno? On a de la nourriture. Ouais, l'ordre public, il est à peu près bon. Je vais faire ça. Hein. Après, résolution auto. On gagne plus rien à piller, quoi. C'est triste. Allez, on va commencer à rentrer chez nous.
voulez-vous ? Mais une, il m'en faudrait une autre là-bas. Bah ce sera eux. Dans cette tour. Oula. Non mais il ne faut pas se presser. Carthage, Carthage, c'est quoi? Accord commercial, oui, j'accepte. Ah, Lusitanien, si ça y est, j'ai vu le passage qui passait. Près des côtes lusitaniennes. Ça devait être le temps que ça s'actualise, je sais pas. Ah, super. Là, je suppose que si. Ouais. Lusitanien, Picton, Helvète, Lamnet, Nissen, etc. Tout ça, je le vois maintenant. Le royaume de Tilly, c'est. Non, vraiment, là, vous. Ils veulent pas. La vache. Continuer de piller, hein, vu qu'apparemment, ils. Je sais pas ce qu'ils foutent, là. Il y avait des rebelles et les rebelles ont perdu. Passage. Ah, ils sont peut-être fait aider. Ah ouais. Sûrement un truc du genre. Sûrement une magouille du genre. L'ordre public il baisse ici. Oh, j'aime bien. J'ai vu que je pouvais éduquer aussi un gosse. Bizasse. Donc c'est pas besace. Parce que je connais l'expression, je le mets dans ma besace. Pas terrible quoi. Ah, Noreya. Je crois qu'à Noreya, ils ont besoin d'un petit coup de main. Oh non. Tu me demandes de payer, j'aime pas. J'aime pas le principe en fait. Le principe de payer, c'est quelque chose qui. Je connais pas trop, j'ai. Ils sont assiégés, ils sont totalement assiégés. Je vais commencer à me déplacer. Ici, voilà, c'est bien, on pille tous les tours. Hein. Tu vois, là, il y a les rebelles, mais les rebelles, ils se sont fait casser la goule. Je sais pas par qui, je sais pas où, je sais pas. Enfin, je me suppose de. Je suppose de l'endroit, mais je sais pas comment, par qui. Ok. Ils en peuvent plus. Nerviens, ok. Il y a un tour. Je devrais y arriver à temps. Ouais, sauf si les routes sont absolument dégueulasses. C'est quoi ces routes de merde là? Ouais. Oh, c'est vraiment terrible la portée de déplacement. Hein. Voilà, là, je suis. Je suis bien déçu là. Bon. On va rentrer au bout d'un moment quand même. On commence à avoir quelques petites pertes, mine de rien. On aura bien pillé.
Colchide. Ouais, en plus il me propose beaucoup, j'accepte. C'est quoi? Embuscade. Oh. Qui sont mignons. Je les avais pas vus venir. Et merci d'être passé, ça fera quelques esclaves en cet hiver. Hein. Et rigoureux. Par contre, Pergamon, c'est beaucoup de troupes par là hein, quand même. Hein. Ah ok, il va sur Rome. Ça me va. Je m'en fous un peu quoi, c'est à toi que c'est sur Rome. Voilà, quelques esclaves. On reprend la route. Ah, il n'y a plus de... Ils ont fait mal à la ville. Ah, regardez, ils s'avancent pour aller sur moi là. Ils contournent la ville pour venir prendre les miennes. C'est pas grave qu'ils aient ces dons. Au revoir. Si je peux prendre Noreya en soi, ça me permettrait de pas avoir à défendre Segestica. On va voir ce que je vais faire. Ok. Ok, là on est rentré à Nicomédia. On a fait la paix avec lui. Sur plus de population. Oui. Ah, c'était à prévoir. Ça aussi, c'était à prévoir. Voilà, on l'avait prévu. Donc ce que je vais faire, moi, c'est tout simple, hein, j'ai juste à faire coucou. Là, je me demande même si... Ils ont de la chance. Ils ont de la chance que les routes là soient pourries, là, que j'ai mis 3 tours pour faire ça. Hein. Terrible. Ah, une petite embuscade. Ah, c'est ballot, ouais. Allez. Pliez le genou devant moi. Et appelez-moi maître. Et lui... ben, on va devoir y aller. Hein. J'ai plus personne là-bas parce que je suis tranquille à peu près. Il y a qui est Colchide. Colchide, je crois que je m'entends pas mal avec eux, pas bien non plus. On va voir ce qu'ils vont faire là. Ils sont totalement entourés là, ils sont plein territoire ennemi. Enfin, alors non. Rome, tu es en trop mauvaise posture à mon goût quoi. Alors je vois bien que Rome a tendance à renaître de ses cendres. Mais quand même. Ok, bon. Ils ont fait marche arrière, je sais pas trop où. Parce que je ne vois pas du tout les troupes qui étaient là, quoi. Ah si, d'accord. Ils ont détruit les Nori en prenant Noreya. Bah, je vais prendre Noreya. Tout simplement. Plus compliqué, ça j'ai déjà pillé donc je vais occuper. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Je m'en fous pas. Ça. Ferme, hop, on va réparer également. Est-ce que j'irai piller un coup ici?
Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit, ça rapporte pas mal. La vache, 3000. Ça rapporte même... plutôt beaucoup. Hop. Logistique. Et ici, 4. Et... Alors, que je me trompe pas. Ressources minérales ici. C'est tout? Ok, ça me va. Là, on va pouvoir se rapprocher. Ou alors... non, se rapprocher. Je crois que plus de troupes que ça dans le coin. Pas aussi un peu bizarre. Là, je suis pas le tour prochain. Dommage. Il va vraiment falloir qu'il garde Brandisium par contre. Hein. Sinon, la blague elle va être de courte durée. Hein. Voyons ça. Et c'est quoi ça? Pas trop quoi prendre. Oh la vache! Ça fait de la croissance. Hein. Après l'ordre public, on prend un sacré coup, donc pas terrible. Pour toutes les unités nocturnes. Ah ouais! Et c'est même pas accompagné au général. Ah, ça peut être sympa, donc tu vois. On a pris Noreya. Non. On va aller sur Akink. Oui, c'est ça, oui. Et on va voir ce qu'on va faire. Accord commercial, oui. Soumission, bien évidemment. Hop. Isan Sam, ah ouais. je vous vois venir. Vous êtes des malins. Hop. Ok. Ok. Est-ce que là, vu que j'ai eu un combat, voilà. Il n'y a que lui. Ouh. Attends. Ah ouais. Attends. Ouais, vas-y, vas-y. Moins 4. Ça va, on reste bien en plus. Hein. On l'a noté. Non, non, non. je te connais. Hein. Alliance défensive. Non. Non. Les arabistes, ils ont compris là. Ils ont dit merde, maintenant c'est nos voisins. Je crois qu'ils se sont dit ça risque d'être compliqué. Et il a bien raison. Alors direction embuscade parce que j'ai pas la portée, mais direction Galice. Voilà. Ah, j'ai personne à tuer. Ah, grave.
Vache, oh, ils avaient des... Oh yes, je peux recruter de nouveau une. Ils avaient du bâtiment de défense là, hein, par contre. Et direction Mont Régius. Voilà, ça prendra tant que ça prendra, mais tu y vas y aller. Hacking, je vais recruter un nouveau général. J'ai vu que je ne pouvais, donc je vais le faire. Mon public est un peu bas, mais ça va remonter. Et là, de Galice, je vais pouvoir faire monter à Belz. Et Passentus, c'est toi là? Non? J'en ai une autre, et Passentus? Non, mais... Ah si. Heptacentus, pardon. Hepta. Je suis un sage de la forêt. Voilà. Ça se conquiert tranquillement. Oui, bah oui. Il s'entend pas avec grand monde, lui, hein. Il n'y a pas de copains, il a que des ennemis. Alliance militaire, ça me va. On va voir ce qu'il va... Ce que ça va faire. Allez, direction de Belz. Tiens, toi, direction... Oh, il y a les Issen, ah ouais, les Issen qui... La vache! Ah, qui ont compris la goule, hein, la vache. Ah bah dis, ils se mettent bien eux. Allez, direction Istros. Impeccable. Avec les troupes que j'ai, ça passera pas. Faut vraiment qu'ils trouvent une faille, je sais pas où, ou qu'ils fassent. Qu'ils fassent un gros détour, un truc comme ça, pour que ça passe, hein, franchement. Là, je vois pas. Alors, de ce côté-là, je comprendrais que ça passe, puisque c'est. Là, par exemple, t'as d'énormes passages là, mais alors. Là. Entre Tyros, Noreia, Segestica, Yadé et Akink. Bonne chance. On rentre toujours en très mauvaise posture. Et même plus Italica avec la Magna Grecia. Accord commercial, non. Non, j'irai te pourrir la tronche. Construction. On utilise Pergamon. Ils sont encore vivants, eux. Hop, je crois que je peux améliorer quand même pas mal de bâtiments là. Même pas. On va consommer un petit peu de la nourriture que j'ai en rab, c'est bien. Et on va surtout faire plusieurs richesses là, on va avoir des thunes. J'essaie de passer par là. Ça limitera ses propres points de passage. On en bloque bien.
J'ai un pec. Ah. Toi, voilà. Te faire éduquer. Ça te fera du bien. Et tu vas voir que surtout ça te servira. Bon, déjà, sache lire et écrire, ça me dirait. C'est déjà une bonne chose à cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup qui savaient y faire dans l'art de l'écriture et de la lecture-écriture, donc... non merci. Ok, mauvais jus, on y arrive, enfin. Personne pour le défendre. C'est gratuit, c'est une gratuité magnifique. Hop. Ah ouais d'accord, il s'est dit, on va peut-être envoyer du monde, mais il a pas envoyé du monde assez rapidement quoi. C'est ballot. C'est pas de peau pour toi. Hein. Ah ouais, on serait presque triste pour toi. Non pas du tout. Juste falloir que je les intercepte bien comme il faut. J'ai pas trop besoin de les bouger. Qu'est-ce que tu me veux? Honorer le fang, c'est très bien. Écoute, vive la nature, j'ai envie de dire. Bon, je sais pas ce que t'as fait au fang pour qu'il te suive, par contre. Mais honorez-le quand même. Recruter encore une belle armée là. Ma dixième. Bon, je n'ai quelques-unes qui coûtent pas trop cher dans le lot, mais reste quand même un paquet de troupes. Hein. 30 000 à peu. Environ 30 000 troupes. C'est pas dégueu. C'était combien de légios? C'était 3 5 000, je sais plus. Ce sont des trucs helvètes. Oh, c'est ballot. Alors là, je veux juste savoir s'ils sont passés par là. Ça a pas l'air. Ils ont dû rebrousser le chemin en direction Ascaocalis. Je vais m'avancer, là je vois que je peux pas arriver en un tour, donc je vais juste faire une petite embuscade. L'ordre public, pff, elle est remontée, hein, 26. Oui, ils avancent, là c'est Rome. Oh, oula. Oui, si, ok, ils ont repris Néapolis. Voilà, Rome n'est jamais vraiment vaincue, ça, il faut vraiment se le mettre en tête. C'est que Rome, même quand elle est plus là, elle est toujours quelque part. La Thracia qui me rapporte 7869. Non. Ils me proposent même de payer tellement ils sont pas bien. Mais non. Oui. Pacte de non-agression, ça oui. Encore plus quand on me propose de l'argent. Ah. Ah oui, d'accord. Putain, il y a du pergamon là qui... Oh la vache. Oh. Surplus de pop. Surplus de pop, surplus de pop. De pop. Bah ça. Donc l'ordre public est pas très très élevé, donc on va augmenter un peu. Ah, du bétail à gogo là. On a un petit bonus grâce à nos hôtels avec le bétail là, le revenu de bétail. On va pas dire non. Alors. Ils sont où? Aussi ils sont barrés. Je sais pas où ils sont. Je vois pas de troupes ennemies là.
C'est pas. J'ai mon salope pour d'homme. Pour servir mon peuple. À vos ordres, c'est tout. Ne bougez qu'à mon signal. Ils ont un peu disparu la confédération germanique et pourtant je sais pas trop taper dessus. Encore des fois je veux bien, je tape vraiment fort dessus, bon bah voilà, c'est. Mais là j'ai pas tapé plus que ça dessus. Hein. Allez sur ce, je vais. On va terminer l'épisode d'ici pour aujourd'hui. Non, ça va pas. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous propose de me retrouver. Très bientôt pour le prochain épisode. C'était Tiab. Il commence à vraiment me les briser. Hein.